Coucou YouTube, on se retrouve pour la suite de Final Fantasy VII Rebirth et on va continuer sur le mont Corel. Les mines de la Moria. Et je sens qu'on va avoir une histoire très très triste avec, avec Dain. Le papa de Marlène. Alors, n'hésitez pas à me dire, hein, ça fonctionne bien chez vous encore, il n'y a pas de problème. Bon, moi j'ai vu un coffre là-bas et ça me dérange parce que j'ai pas pu l'avoir ce coffre. Ça me perturbe un peu. Bon. Imagine, c'est un des seuls coffres où il y a une matériel dedans, quoi. Avec la chance que j'ai. Ce levier doit changer la direction. Cette voie ferrée a l'air assez vieille quand même. Pourvu qu'elle résiste au passage du chariot. Elle ne va pas s'effondrer pour si peu. T'en es sûr? Certain. Ça se sent rien qu'au toucher. Léon, ah ouais? Les chats et les chiens peuvent sentir plein de choses avec le dessous de leurs pattes. C'est pareil pour toi? C'est quoi déjà? Ah, les coussinets! En quelque sorte. Mais... Bah, y'a une échelle là, les gars. Non. J'ai pas fini ma question. J'ai senti le coup venir. Je peux les toucher. Pas question. Dis-moi que... Ah, quand même. Quand même. Sphère de sûreté. Une sphère contenant un code de sécurité qui permet de repousser divers virus d'origine magique. Ça brûle. Et éteint, mec. On a level up avec Cloud. Je sais pas si je peux les atteindre ces trucs là. Il y a que avec Yuffie. C'est l'endroit où on doit se retrouver. Allez, on appelle les autres? Non. Allez, dis-moi qu'il y a un coffre au bout et que je fais pas tout ça pour rien là. Y'a rien.
Y a rien. Mais on a une belle vue. On a une belle vue. C'est beau, c'est beau. Profiter de la musique. Années 90. Allez, let's go. Ah. Désolé. Ça va aller. Tu peux le faire. Allez, Yuffie. La mascotte. D'accord, on t'embarque. Mets-toi là. Bon, on y va. Faites gaffe à pas tomber. Tu l'as mis où, Barrette? Merci, Yoshi. Tiré depuis le wagonnet. Alors, vous allez traverser la mine de Corel à toute vitesse à bord d'un wagonnet. Il te faisait la caisse de Shinra sur votre route. Ok, d'accord. Okay. C'est quoi ce viseur? C'est quoi ce viseur? Hey, oh, tire, 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 tire! Ah, voilà. Trop bien, on a un shooter. Ça va pas très vite. C'est gentil quoi.
Sympa. Je pensais que ce serait pire. Après tout, Cloud a fait ce qu'il a pu, vu les circonstances. Tiens, ça manquait de frissons. Ravi de vous revoir en vie. Ouais, ouais Mélanie. Papa! Papa! Mais attends. Grand Cloud? Petit Cloud? C'est frappant, non? Je l'ai appelé Choupi Cloud. Ça lui va bien, hein? Bon, c'est fini. Je le voulais comme mascotte. Allons-y. Let's go. D'ici, c'est ça? Ouais. Bon, au cas où je peux pas courir là. C'est comme ça. Si on m'avait dit que Monsieur Barrett reviendrait par ici... T'es revenu pour te faire pardonner? Avec ton garde chien battu? Bah alors? Tu trinques pas à nos retrouvailles? Non, mais qu'est-ce qui vous prend? Hein? T'en mêle pas. Pourquoi? En route. Attention, jeune fille. Celles qui fréquentent ce type ne vivent pas longtemps. Souvent ce jour dans les cauchemars. Le mont Corel était tout. Arrêtez du culot de revenir ici. Oh, tellement d'endroits à fouiller, les gars. Oh là là là. Mon dieu. J'en vis vraiment. Bon, promis, je m'occupe de l'annexe. Une autre fois, on va continuer sur l'histoire. Elles sont pas mal, ces matérias. Celle-là doit valoir un bon paquet de guine. Donnez-moi les matérias. Des bonnes matérias, s'il vous plaît. On veut pas de toi ailleurs non plus, sale vendu. T'as encore été aveuglé par la pas du gain? Tu vas les laisser te parler comme ça? Ça me dérange pas. C'est la faute à qui s'il y a plus de boulot ici? Monsieur, je sais tout. Vous allez pas faire que du lèche-vitrine, j'espère.
Ouais, pour le moment, l'arme de Cloud Royce reste quand même assez sympa. Pour le moment. Ah, mais attends. Coucou, toi. Miracle, j'ai des clients. Attends, protection, je l'ai pas, moi. Attends, je vais m'en prendre deux, moi, des protections. Attendez, je fais ça rapidement. Il y a eu protection. Oh, j'en avais déjà... Ouais, j'en avais pris deux. On va mettre sur lui. Et je le foudrais bien sur... Ok, allez. C'est déjà sympa d'avoir les protections. Maintenant, il me faudrait RD fait pour Iris. Pour le moment, j'ai pas besoin de regarder ça. On a dit qu'on allait se focaliser sur l'histoire et c'est ce qu'on va faire. Ouvrez à présent vos esprits à nos... Eh ben, c'est qu'il y a des trucs à faire ici. Hein. C'est vraiment toute une nouvelle zone. Ok. Ok, bon. Donc, par contre, le jeu de lumière, là. Ok, non. Désolé. Là, il y a un jeu de Queen's Blood. On va pas faire de Queen's Blood. Hein. Je vous ai casé. Carrément. Tout là avec tout un épisode sur YouTube. Je peux faire un saut à la clinique. Il y a quelqu'un que j'aimerais voir. En fait, il y a 5 ans, on m'a transporté d'urgence dans cette clinique depuis Nibelheim. Et c'est le docteur Sheeran qui m'a sauvé la vie. Ah. Attends, c'est vraiment le docteur Sheeran qui t'a rafistolé? Venez. Ah oui. Ne te laisse pas avoir. Tu le sais très bien. Je suis ton unique vérité. Sephiroth ! 36. Qu'est-ce qui te prend, t'es dingue ou quoi ? C'est quoi ce boucan ? Barret, ça alors ? Oh, Sheeran ! Ça faisait bien longtemps. Ha ha! Un sacré bail! C'est une belle horreur que t'as attachée à ton bras. Bah, le principal, c'est que tu ailles bien. Hmm? Ouais. Et vous, ça va? La machine n'est plus toute jeune, mais soigner mes patients me donne de l'entrain. Et surtout... Vous vous souvenez, n'est-ce pas? Comment aurais-je pu oublier? Tifa, tu as bien grandi. Et cette blessure, ça va? Oui, tout va bien.
Je voulais encore vous remercier pour tout ce que vous avez fait. Grâce à vous, je l'ai échappé belle. Si vous n'aviez pas été là... Non, c'était surtout un coup de chance qu'un hélico de la Shinra se soit trouvé là. La Shinra? Vraiment? C'est normal que tu ne t'en souviennes pas. Mais tu sais, ils sont pas tous pourris jusqu'à l'os. Tifa, il faut que tu réalises que tu dois la vie à beaucoup de gens. Surtout, ne l'oublie jamais. Et tu as intérêt à ne pas la gâcher, d'accord? Oui. Ouh, il y a un message derrière tout ça, moi je vous le dis. En tout cas, à ce que je vois, tu t'es fait une sacrée bande d'amis. Ah, au fait, tu tombes à pic, Barrett. Donne-moi un coup de main. Je dois faire une prise de sang à ce patient. Tu veux bien le tenir pour qu'il ne se débatte pas? Et étrangement, on voit un numéro sur lui. Ils ont tous les symptômes d'une intoxication à la Mako. Seulement, après avoir fait quelques analyses, j'ai découvert quelque chose d'étrange. Qu'est-ce que vous avez découvert? Que leurs cellules sanguines contiennent une substance qui m'est inconnue. Je ne sais pas d'où elle vient, mais ça m'a rappelé un autre type de sang. Vu tes yeux, tu es un soldat, non? Un ex-soldat. Il n'y a pas vraiment d'ex-soldat. Quand on le devient, on le reste jusqu'à la mort. Hein? Tu me donnes un peu de sang? Pas question. À mon avis, ces hommes sont des soldats qui ont subi une dégénérescence. Bien entendu, ce n'est qu'une théorie. Et pour la vérifier, il faudrait que je fasse plus de tests. Est-ce qu'il y en a d'autres qui sont passés par là? Ah oui, un bon nombre. J'ai recueilli ceux qui étaient blessés. Mais les autres sont partis vers le Gold Saucer. Vous êtes sûr de ça? Ouais. Mais me demande pas pourquoi. J'en ai aucune idée. Ok. Pourquoi on a vu... Il y en a un où on a vraiment clairement vu son numéro. Et bien sûr, bah, c'est quand il parlait de la cellule souche sanguine, là, bah, c'est... Cellule de Genova. Réunion. Le docteur Sheeran a dit qu'il faisait distribuer de la nourriture pour se faciliter la vie en réduisant le nombre de malades. Vous ne le répéterez pas, hein, mais en fait, il ajoute des nutriments dans ses rations. Alors. Le Gold Saucer, c'est bien le parc d'attractions où c'est la fête tous les jours, c'est ça? On y va, hein? C'est obligé! Du calme. On n'y va pas pour s'amuser. Je sais, les manteaux noirs. J'ai hâte! C'est la première fois que j'y vais! Regarde la bougie. C'est à côté qui mène directement au Gold Saucer. Puisqu'il faut qu'on y aille, perdons pas plus de temps. Le Gold Saucer, mais... C'est mort pour continuer, là. Comprenez, Gold Saucer, ça veut dire... Ça veut dire plein de choses, je suis pas prêt. Oh là là. C'est bon, tout le monde est prêt. On peut y aller. Ben écoute, moi j'ai envie de te dire oui. Vous ne pourrez pas revenir avant quelques temps. Ben, allez, de toute façon. Tu vas aimer le Gold Saucer. Mais j'en suis sûr que je vais aimer le Gold Saucer. Voilà, c'est le cas du téléphérique. Hé hey, moi non plus, j'ai pas envie de m'éterniser dans ce trou. Mais tu vas repartir la queue entre les jambes? Barrett s'est fait insulter et humilier par tous ces sales types. Je suis vraiment la seule que ça fout en rogne. C'est pas grave. Allons-y. Mais quand même, tu veux pas nous dire ce qui s'est passé? Quelqu'un a insinué que t'étais cupide. Ça m'a étonnée. Je sais mieux que personne que c'est pas du tout ton genre. Il doit bien y avoir un malentendu. Ce que c'est lent. Je m'attendais à ce qu'on ait, qu'on voit... Elle est née à Corel. Avant, à Corel, il y avait une mine où on pouvait extraire du charbon de qualité. Les habitants du village avaient un caractère un peu rude, mais foncièrement bon. Ils étaient tous des gens respectables. Et moi, il a fallu que je foute le bordel dans tout ça.
qu'en fin de compte, tout est ma faute. On était bien à Corel avant. Même si c'était plutôt crade et qu'on était pauvres. C'était paisible. Et tout le monde s'entendait vraiment à merveille. Malheureusement, on est venu nous vanter les mérites de la Mako. Et ensuite, tout a complètement changé. Dan, il n'y a que toi qui t'y opposes encore. Et je changerai pas d'avis. Pas question d'abandonner nos mines. C'est un patrimoine que nos pères et nos grands-pères ont protégé au péril de leur vie. Sois réaliste, Dine. Presque plus personne n'utilise du charbon maintenant. Tu le vois bien, on s'escarte la santé à travailler dans ces mines pour finalement s'appauvrir un peu plus d'année en année. Ouais. Vous savez, Dine, une fois le réacteur terminé, une partie des profits reviendra à votre village. Elle permettra de couvrir tous vos besoins, ainsi que de vous offrir une bien meilleure vie. Allez, Dine! Je veux pas me retrouver obligé d'entraîner Myrna à tomber encore plus bas dans la misère. C'est pareil pour moi, qu'est-ce que tu crois? Mais moi, je ne veux pas accepter l'idée que le charbon serait devenu inutile. Ça revient à dire que nous aussi, on est inutiles. Il semblerait que ce soit une question de principe. Et dans ce cas, nous ne parviendrons jamais à rien en discutant. Monsieur le maire, il serait temps de passer au vote, non ? Messieurs, dames, le moment est venu. Après, la construction du réacteur était terminée. Les premiers essais se déroulaient sans problème. Et tout le monde était content. On se disait que ça allait grandement améliorer nos vies. Et puis un jour... le réacteur Mako a explosé. Vous avez vu le résultat dans la montagne. Après ça, des troupes de la Shinra se sont pointées. Elles ont brûlé le village. Plein d'innocents ont perdu la vie. Scarlett, c'est elle qui a donné l'ordre ? S'en est pris aux villageois. Qu'est-ce que tu crois? La Shinra voulait rejeter la faute sur le village et son soi-disant groupe d'extrémistes. Bien sûr, personne s'était approché de ce foutu réacteur. Ils ont inventé toute cette histoire. Ces salopards. Ouais, je leur pardonnerai jamais. Mais au fond, la personne à qui j'en veux le plus dans tout ça, c'est moi-même. J'ai cru à ce qu'on nous faisait miroiter. Et j'ai incité tout le village à accepter le réacteur Mako. Dis pas ça. Bon, allons-y. East. Cette tête-là. Ben, je vous préviens. Je veux pas qu'on sonne ni qu'on me cherche des excuses. Mettez-vous bien ça dans le crâne. C'est ma propre histoire. Ça a fait de moi qui je suis.
Ouais. T'as raison. On devrait tous être super excités. On va au golf, censeur. Hein? C'est pas en tirant la tronche qu'on va s'amuser. Tu veux t'amuser? T'en as de bonnes, toi. Je te rappelle qu'on y va pour une affaire sérieuse. Pas vrai? On s'en approche. Tu viens voir? Tout le monde m'écoute, ça fait trop plaisir. Regarde-les. Ils sont trop mignons. Le lourd tribut de la Mako. Aïe, aïe, aïe. Ce plan. Regardez ça! Quelque chose arrive! Ah, c'est super bien fait. Oh là là, mais on va tellement se perdre là. Génial. Tu viens de t'amuser toi aussi? Ouais, réunion. Je vais me saucer au sauceur. Alors, oh. Matériel à soin, vous êtes sérieux? Tiens, tiens, tiens. Je le déteste, lui. Barrett Wallace, Tifa Lockhart, Cloud Strife. Regardez-moi ça. Leurs complices sont une fleuriste détonnée et un cobaye de labo. Tous sans ces guignols. Il était temps qu'on publie un avis de recherche en bonne et due forme. Vous ne pensez pas? C'est une merveilleuse avancée. Mais pourquoi est-ce à moi de me farcir cette besogne? Ils veulent le distribuer dans l'espace, cet avis? On doit considérer que vous êtes vraiment compétent. Qu'est-ce qu'il y a? On t'attend. Et nous y voilà, le Gold Saucer. Incroyable. Oh là 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 là. Oh mais. Je veux ce Hummer. Cet emplacement de stationnement est réservé aux buggy. Seuls les visiteurs venus ici par le désert peuvent l'utiliser. Oh là là, les gens, je... Oh mon dieu. C'est gigantesque. Pardon, désolé. Ouais, la buggy.
Jet Set. Copyright. Le goût. Le pauvre Cloud. Sois le bienvenu au paradis doré, le Gold Saucer. J'en suis le directeur, Dion. Et toi, jeune homme, quel est ton nom? Cloud. Enchanté. Eh bien, que le meilleur gars. Il va nous faire un The Worldo, on va pas comprendre. Qu'est-ce que vous, mon cher jeune homme? Nous ne choisissons pas le moment des défis que le destin nous impose. Êtes-vous prêts tous les deux? Cloud, tu peux le battre. Je kiffe. Ah, me sort pas un fort. Excellent. Et maintenant, que le combat commence. Commençons donc par quelques exercices d'entraînement. Qu'est-ce que tu attends? Alors. Ok, d'accord. Allez, viens. Oh yeah. Yep. Qu'est-ce que tu attends? Allez, viens. Oh yeah. Attends, attendez, attendez, attendez. Qu'est-ce que tu attends? C'est le moment de frapper avec le droit avec R2. Alors R2. Non, merde, c'est le. Voilà. Sorry. Allez, viens. Yep. Ouais, 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 doucement. Attends.
Yep. Oh yeah. Allez, viens. Yep. Ah, c'est pas évident. Qu'est-ce que tu attends? Hein? Ah, je l'ai fait. Oh yeah! Yep. Allez, viens! Eh, faut avoir un... Oh putain. Qu'est-ce que tu attends? Ok. Bon app sera. Non mais... Ah! R2. Attends. Alors, c'est bon, frapper, ok, donc ça, je te frappe ce côté-là, bam. Ensuite. Mais je l'ai fait, mais pourquoi tu bouges pas, Cloud? Tiens. Ok. Non mais... Putain, je me suis déplacé, merde. Oh, c'est pas évident les gars. Bon, on va chier. Ma gueule. Et allez, viens. Et ils auraient pu faire un truc simple avec un joystick et une touche, je sais pas moi. Qu'est-ce que tu attends? Alors, je suis très con ou ok, voilà. Pourquoi j'arrive pas à toucher? Tiens, moi. Allez, viens. Ok, voilà. Fuck. Oh yeah. Yep. C'est nul à chier. Oh yeah!
dans ta gueule. Maintenant. Et ils auraient pu faire un truc simple avec un joystick et c'est tout quoi, pas faire 36 millions de touches là. Hein? Alors, R2, d'accord, bam. Bon, hop. Il esquive tout ce con. C'est nimp. Voilà, tac. Je me suis trompé de joystick, j'ai pris le joystick droit au lieu du gauche. L2, putain. Vas-y, 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 recommence. Qu'est-ce que tu attends? Allez, bien. Zen, 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 zen. C'est n'importe quoi. Allez! Tac, une droite dans tes dents. Hop, esquive. Et non, bah je me suis trompé, bien sûr. C'est logique. Tac. Et je suis stupide à chaque fois de me tromper de côté ou c'est moi là? Moi de frapper du droit. Donc R2. Non, c'est pas la gâchette que je voulais faire, mais bon, c'est pas grave. Droite, gauche, gauche, droite. Oh putain. Oh putain. Sérieux. C'est quand tu veux, je danse. Qu'est-ce que tu attends? Oh yeah. Bien. T'es nul à chier. Qu'est-ce que tu attends? Yep. Oh yeah. Yep. Oh non. Tu m'en diras des nouvelles. Ok, je suis une merde là-dessus.
Tu t'es très bien battu, mon jeune ami. Mesdames, messieurs, veuillez applaudir comme il se doit notre vaillant challenger de ce soir. Petit cadeau de ma part. Profitez du Gold Saucer autant que vous le désirez. Oh, c'est trop génial. Eh, hey, Cloud, sois un peu sympa, putain. Oh, quel bruit. Ok, cool. T'es stressé, Cloud? Pas du tout. Il est habitué à monter sur scène, tu sais. T'aurais dû voir sa magnifique performance à la ruche. Iris. Oh, faudra que tu me racontes ça. Oh bien. C'est beau, hein. On se croirait à des décos de Noël et tous les boules. Oh là là, les gars. Parti où? Je sais pas où ils sont partis. Ah, ils sont là-bas. Je vais stopper juste là l'épisode. Bon, j'y crois pas, on est au Gold Saucer. Bon, j'ai un peu merdé avec le combat contre du duo, mais bon, c'est pas grave. C'était vraiment cool. C'était un épisode sympa. Donc merci d'avoir suivi la vidéo sur YouTube et je vous dis à l'épisode suivant. À plus !